Good morgen, allez, den les sus aujourd'hui le lunishmat dov ben yudit et vadar amram ben chedvar, chaya ester bat miriam, mitzrak peres ben fortuna, ainsi que d'une fois, traim avram ben rachel, et moshe yoel ben rachel, betor shah ou l'israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions ma sechet shabbat per exaïn Mishnah gimel, ve od klal acher amru, kol hakasher le atznia, ou masnin kamohu, ve otsio be shabbat, chaya valav chadat. וכל שאינו כשר להצניע, ואין מצין כמוהו והוציאו בשבת, אינו חייב אלא המצניעו. En rapport avec la première Mishnah du Perek, qui commence avec Klal Gadol, une grande règle du Shabbat, alors la Mishnah continue souvent en nous disant « Ve'od Klal Acher » il y a aussi une deuxième règle, cette fois-ci qui est moins grande, dans la mesure où, elle concerne une Melacha particulière, qui va nous introduire un principe, qui va nous conduire, qui va nous accompagner pendant maintenant 10-12 Mishnayot à peu près, pendant plus de deux Prakim, il y aura une petite pause, ça va revenir encore dessus, sur un principe de la Melacha de Hotza'a, qui était la dernière Melacha de la Mishnah précédente, Leotzi Mirshut Lirshut. Portée à Shabbat, sur la voie publique, sur du domaine privé au domaine public, ou inversement, d'accord, l'interdit de porter pendant Shabbat. C'est entre parenthèses très intéressant que cette melacha là, je n'ai pas fait le calcul combien il y a, mais vous pourrez vous amuser à le faire. Il y a, je ne sais pas, il y a peut-être le quart de ma Sechet Shabbat qui parle que de Hotza. D'accord? Énormément. En tout cas, on va découvrir maintenant une règle concernant les règles de Hotza. Je vous le fais, je vous introduis d'abord en principe. Pour la plupart des melachot de Shabbat, alors il y a un shiur, il y a une quantité requise pour transgresser l'interdit. D'accord? On va prendre pour chaque melacha qu'on a évoqué hier longuement, dans les 39 travaux, chaque melacha, quelle est la quantité requise pour tisser un tissu, combien de longueur, combien d'épaisseur. Il y aura pour chaque melacha, on va prendre quelque chose, on va prendre quelle est la quantité requise. Pour Hotza'a, on va avoir maintenant une dizaine, une douzaine de Mishnayot qui vont nous préciser pour chaque espèce, quelle est la quantité requise pour transgresser. Là, on va d'abord avoir premièrement une généralité dans notre Mishnah, sans avoir des cas concrets. La Mishnah va nous dire comme ça. Kol hakasher le'atznia, tout ce qui est apte à être caché, à être préservé. Ou matzniin kamohu, et l'usage il est de préserver, de garder une telle quantité. Vehotzio be'shabbat, il a fait sortir cette chose-là pendant Shabbat. Alors chayav alav chatat, on sera passible d'un korban chatat. À la différence du cas où, vechol sheino kasher le'atznia, mais tout ce qui n'est pas apte à être caché, préservé, gardé, conservé. Ve'en matznin kamou. Et il n'est pas d'usage de conserver une telle quantité, mais entre parenthèses, il l'a quand même gardé. Ve'otzio be'shabbat, ensuite il l'a transporté pendant Shabbat. Et nochaya ve'laham matznio, il ne sera passible de korban khatat que la personne qui l'a lui-même conservé. Et on explique de quoi on parle, on va prendre un exemple. Le premier cas de la Mishnah juste après. Que on n'a qu'à le dire, il y a marqué Amotsi Teven Kemelo Pipara. Celui qui va faire sortir de la paille ou du foin, eh bien, il faut de quoi donner une quantité, de quoi remplir la bouche d'une vache. D'accord? Une bonne poignée, imaginez. Peut-être plus. Une quantité. La Mishnah de chez nous nous enseigne, tu sais, je vais t'apprendre quelque chose pendant Shabbat. Pour chaque espèce, il y a une quantité requise. Cette quantité-là requise-là, eh bien, alors, deux précisions. Il y a des choses que l'on préserve, que l'on garde, et des choses qu'on ne garde pas et qu'on jette. Une peau de banane, vous la stockez dans les tiroirs chez vous? Moi non plus. Donc, c'est quelque chose qu'on jette. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est kasher, la tznia. Par contre, une banane elle-même, on la conserve. Donc, c'est quelque chose qui est kasher, la tznia. Idem avec toute chose qui n'est pas d'usage de garder. Ouais. Eh bien, hein, ça, c'est ce que ça veut dire quoi, la kasher, la tznia. D'abord, j'explique les mots. Et puis aussi, au matzin kamo. Et en plus de ça, on garde une banane, c'est vrai, mais quelle quantité de banane? Une banane entière, une demi-banane. Mais si on a une petite rondelle de banane, est-ce que c'est d'usage de la garder ou pas? Est-ce qu'on est matznia kamo? Est-ce qu'on a l'usage de conserver une quantité petite pareille? Alors la Mishnah me dit, sache que il faut deux conditions pour que tout le monde soit passible du korban khatat. Il faut qu'il y ait une espèce qui soit d'usage de conserver et que tu conserves une quantité
qu'il est d'usage de conserver. Et que dans ce cas-là, si tu as conservé ça chez toi, en l'occurrence, tu avais une banane, tu avais une pomme, une figue, tu l'as gardée chez toi, et alors quoi, et après quelqu'un l'a fait sortir pendant Shabbat, alors il sera chayav khatat. Par contre, si tu remplis pas les deux conditions, tu n'as même qu'une seule condition, même aucune, ça ne me change pas au problème. Toi, tu es quelqu'un qui collectionne les pots de banane. Ou bien on va prendre un cas un peu moins farfelu, quelqu'un qui est les pots d'orange. Vous savez, dans certaines recettes, on peut garder un petit peu des pots d'orange pour mettre un peu de zeste. C'est l'usage de les garder. Mais on les garde jamais quand on a besoin. On achète une orange et on épluche un petit chouïa un petit peu et puis après on mange l'orange. Mais on a quelqu'un, hein, une femme que pour elle, elle gardait absolument un bout de peau d'orange. D'accord? Donc en fait, elle est en train de garder quelque chose qui n'est pas d'usage de conserver. Elle est en train de garder quelque chose qui n'est pas d'usage de conserver. Ou encore, quelqu'un qui va garder quelque chose qui est d'usage de conserver, mais il n'y a pas la quantité requise. Par exemple, on a l'usage de garder, alors, les aliments, de manière générale, je vous le dis tout de suite, pour tous les, la plupart des aliments consommables par l'homme, qu'il est d'usage de conserver, attendez, parce que je ne vais pas dire de bêtises, c'est Groguette, normalement, exactement. C'est une taille de figue. Pour tous les aliments qu'il est d'usage de conserver pour l'homme, l'homme, il garde, c'est une quantité, comme une groguerette, mais on ne garde pas une petite miette. D'accord? On ne garde pas une petite miette. De ce fait, ça implique quoi? Alors ça implique que si malgré tout, vous, ça vous a pris de garder un petit bout de moins qu'une taille d'une groguerette, moins qu'une taille qu'une petite figue sèche d'aliments, vous arrivez un petit bout de gaufrette comme ça pour le faire goûter à votre fils qui va rentrer de je sais pas où. Et puis, donc vous avez gardé un tout petit bout de gaufrette comme ça. Vous l'avez laissé au frigo, puis vous l'avez oublié pendant Shabbat. Mais vous, vous le gardez parce que quand votre fils va être gentil, vous allez lui sortir ce petit bout de gaufrette. Moi qui ne suis pas votre fils, si je prends ce petit bout de gaufrette et je sors avec lui dans la rue pendant Shabbat, je ne suis pas passible d'un korban khatat. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la quantité requise. Mais vous qui le conservez, eh bien, vous êtes en train de sortir une quantité importante. Parce que vous l'avez donné l'importance en la conservant. Comme, donc les deux possibilités. Soit vous gardez quelque chose qui n'est pas d'usage de conserver, mais pour vous, vous l'avez marqué une importance. Soit vous gardez une espèce qui est d'usage de conserver, mais qui n'a pas la quantité assez importante qui est d'usage. En général, personne ne garde chez soi un petit bout de gaufrette. On le mange, ou au pire, on le met à la poubelle, on le donne à manger à n'importe qui. On ne sait pas quelque chose qu'on va se mettre à occuper une place dans le frigo avec un petit bout aussi petit. Donc, puisqu'il n'est plus d'usage de le conserver, si vous avez décidé de le conserver, moi, ça ne me concerne pas. Pour moi, eh bien, je sens une quantité trop petite pour être passible de korban khatat, mais pour vous qui le conservez parce que vous lui donnez une importance, eh bien, vous serez khayav khatat. D'accord? C'est ce que la Mishnah m'a dit, donc, je reprends la suite de la Mishnah, tout ce qui n'est pas d'usage, qui n'est pas apte à être conservé, c'est-à-dire n'est pas d'usage de le conserver. Ven matzmin karto, attention, c'est le VN, il faut le traduire par ou. Ou bien, qu'il n'est même pas d'usage de garder une telle chose, parce que c'est une quantité, une petite quantité. Et malgré tout, vous l'avez conservé, ve aussi au Shabbat, et après, quelqu'un a fait sortir pendant Shabbat, et bien la Mishnah me dit, il ne sera passible de korban khatat que celui qui a fait sortir, qui a conservé cette chose-là chez lui parce qu'il lui a manifesté l'importance. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov.